effectivement. Mais oui, on a vite basculé sur ce qui nous arrive vendredi parce que c'est un match très 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 important pour nous. Donc hier, on a eu une journée cohésion pour évacuer le match de vendredi, se resserrer pour le sprint final. Et voilà, maintenant on est tourné sur Massy en Ligue. Ouais, non, enfin, oui, on le regarde forcément, mais c'est vrai qu'après, durant la semaine, on n'a pas plus le temps. On regarde après le match, on fait un point et après, on se bascule vite sur ce qui nous attend le week-end. Donc là, c'est Massy, on a besoin d'aller chercher des points encore dans notre construction de saison. Donc voilà, notre objectif, il reste inchangé, c'est jouer les phases finales. Et pour ça, il va falloir gagner quelques matchs encore d'ici la fin. Là, on va aller dans un contexte très hostile, ça va être difficile, ils reçoivent le deuxième, ils n'ont plus rien à perdre. Quoi. Voilà, faut qu'ils jouent leur retour pour espérer se sauver, même si ça va être compliqué aussi pour eux. Donc je pense qu'on va jouer un match très difficile là-bas, dans un contexte très dur. Les conditions, je ne sais pas comment elles seront, mais ils annoncent de la pluie, donc voilà, on s'attend à un match difficile, mais nous, on se concentre sur nous. Non, pas spécialement, on va rester dans notre plan de jeu, on va rester avec notre philosophie, mais juste être un peu plus concentré et voilà, mettre le focus sur des aspects un peu plus techniques pour justement réussir à mettre notre jeu en place dans ces conditions difficiles. On va pas commencer à rester dans notre jeu maintenant, après on s'adapte aux conditions, on s'adapte au match, à la stratégie, mais voilà, ça, tout ça, on a eu le temps de le travailler toute cette année, maintenant on reste dans ce qu'on sait faire.